Tu fais battre mon cœur en coupé décalé. En zouglou, tu es ma préférée. Bien le bonjour, bien le bonsoir, Miss Nikki. Je suis avec le groupe TNT ce soir, qui nous vient tout droit de Côte d'Ivoire. Ils sont ici avec nous, avec moi, avec vous. Ils sont en tournée européenne. Ils ont été reçus par les plus grands médias africains du moment sur Paris. Ils sont là. On est là. Salut. Salut. Salut tout le monde. Oui, ils passent donc par là. Donc comme je vous le disais, ils sont avec nous pour une petite interview, ils vont nous parler d'eux, ils vont nous parler de leur parcours, de leur passé, de leur futur et de ce qu'ils ont fait ici en Europe, parce que c'est la première fois, ouais, n'est-ce pas? Ouais, c'est la première fois, et on est là pour tout gâter. Okay. Miss Nikki, Valadi, qu'on est toujours inspiré. Bonjour. TNT. C'est parti. Le bon vieux temps, c'est TNT tache noire. T'as fait bosser du coup, on est arrivé là. Y avait des larmes de peine et des larmes de joie. Ils nous ont tous laissé tomber. On a dû reconstruire la mi-fa. J'ai senti une première dame, non tu veux quoi d'autre? Le coup est décalé et lancé. Hey. Pas moyen de l'arrêter. Ah. Faut pas que tu me demandes de venir m'amuser pendant que les naïds avant de dire. On a fini par constater, que c'est dégâts de la musique, il faut rien avoir chuté. Dans le titre Ayo, en tout cas, je remarque des sonorités R&B. Le titre est beaucoup plus chanté. Tu fais battre mon cœur en coupé décalé. Que dans, par exemple, Lovia ou Viseo, etc. Je n'arrive pas vraiment à distinguer votre style musical. Et c'est un petit peu la question que tout le monde se pose. Oui. Hein, vous parlez d'afromix. D'afromix. Qu'est-ce que c'est ça? On a commencé déjà à se faire plomber un peu, critiquer sur les réseaux sociaux. Parce que on pourrait croire que l'afromix c'est une façon un petit peu insidieuse de se détacher du coupé décalé qui souffre d'une image un peu sulfureuse. Non. On ne vient pas avec ça aussi. On va dire aussi pour ankyloser les gens, pour dire comme c'est en train de le couper décalé un peu casse-pied, c'est ce que d'autres personnes pensent, c'est trop de bruit, donc ça, c'est bien dit. Nous on le fuit. Non, c'est pas ça. Nous on veut appartenir à tous les genres musicaux, vous comprenez? On veut être libre de faire un album où tu vas retrouver TNT en zouk, tu vas retrouver TNT en hip-hop, tu vas retrouver TNT en R&B, en bébé, tout, tu vois. Et pour cela, faut pas se faire cataloguer dans un seul rythme, tu vois, faut faire tout. Il faudrait donner la chance à ceux qui font de l'R&B, qui ont des voix, mais qui veulent en même temps garder ce style de chant, R&B, mais aussi des sons dansants, de pouvoir faire danser des gens. Ok. Tu vois. Message passé, vous avez entendu. Afromix. Ok. TNT. Ah. Vous arrivez à Paris avec le titre Voilà ça. Merci. Qu'est-ce que vous espérez en arrivant sur Paris comme ça, sur le marché européen? Déjà que l'Europe accepte bien le titre Voilà ça, que l'Europe puisse connaître TNT, savoir qu'est-ce que TNT propose comme musique et variété et tout. Voilà, c'est déjà ça dans les débuts, et puis mettre un visage sur tous les titres à succès et vous danser ici, voilà. Et lorsqu'on vous suit depuis votre arrivée, c'est votre première fois à Paris, et pour un groupe africain, arriver à Paris pour la première fois et être invité sur des grands plateaux des principaux médias afro, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Comment vous avez vécu ces sollicitations-là en tant que natif d'Abidjan, d'Angrée, etc. Comment vous avez vécu justement ces sollicitations? Parce que vous êtes passé chez RFI. RFI, c'est le journal de TV5 Monde, en direct. Chez Serge Fatou, Télé-Sud, Trace TV, Africa Numéro. Quand même, c'est pas rien. Comment vous avez vécu ça? Pas assez posé, parce que on sait où on va,
On sait à quel niveau on est, on sait quel niveau on veut atteindre. Donc, on n'échappe pas à la grosse tête. On est là pour le travail, ce qu'on s'est dit avant de venir. Exactement. Donc, les objectifs qu'on avait à faire, à atteindre ici, on les a réussis. On est plutôt content. Vous avez tissé des liens, alors je ne sais pas si ça date d'avant ou de maintenant, ou je ne sais quoi, avec Claudiciard, qui vous a reçu sur RFI. J'entends souvent son nom dans vos chansons, moi je me suis demandé... Mais qui est-il pour vous? Quelle relation vous entretenez avec ce monsieur? Parce que vous chantez régulièrement son nom quand même. Bon, c'est un modèle aussi. Un modèle d'abnégation, de réussite. Effectivement, et puis c'est quelqu'un qui nous a donné beaucoup de conseils depuis Abidjan. D'accord. Voilà, donc lui-même, il était aussi fier de nous recevoir. Voilà, on dit comme ça. Pour la petite histoire, il est à la base, c'est lui qui a déclenché le truc. Parce qu'il y a 3-4 ans, on était assis sur des briques au FEMUA. On est venu ce jour-là à 14 ans, on espérait passer sur le petit podium du FEMUA. On nous a fait monter sur le petit podium pour les artistes en herbe. On est arrivé à 14 ans, on a presté à 23 heures. Et nous, on était là, on fredonnait nos chansons et lui, il passait avec le Kwa Kanza. Et le Kwa nous a approché, il a dit, il a écouté nos voix et tout ça. Si on se bat, ça peut faire quelque chose. Qu'un jour, on sera des grands si on continue de travailler. D'accord. Et Claudicia qui dit, oui, qui sait, peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais vous annoncer. Ah. Deux ans après, c'est Claudicia qui nous annonce sur le podium du FEMUA. Exactement. Donc, tu vois, belle histoire, le travail c'est là que c'est parti. Nous a amené sur le podium et ça a réalisé ce qui avait été prédit. Justement, à part Claudicia, est-ce qu'en France ou en Europe en général, il y a des personnalités, des chanteurs qui vous inspirent, que vous respectez, que vous avez essayé d'approcher justement pendant votre séjour? Mais Jeans. Ah bon? On était à son concert à Abidjan. Ouais. À un moment, je me suis oublié, j'étais arrêté. On m'appelle, mais je suis comme ça, j'étais comme ça. Je le regardais parce que le gars, il a la même voix que sur le CD. Ouais. Donc quand tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est un bosseur de fou. Et toi, Jean? C'est bon. Et puis, il y a tout fan. Ouais, mais ils sont africains. Tout fan, ils sont africains, je te demande européens. Non, mais comme ils plaisent partout là. Il y a Koury, c'est ça, non? Comment il s'appelle? Caris. Ah, Caris. Comme il n'y c'est un Ivarien. Notre Et quels sont vos projets à venir? Parce qu'on en arrive au terme de notre discussion, parce que c'est une discussion, hein. Il y a aussi une sensibilisation au niveau de la jeunesse. Voilà, c'est ce que vous disiez en tant qu'ambassadeur. Voilà, on veut amener la jeunesse à s'intéresser aux études. Leur montrer l'importance des études. D'accord. Voilà, donc on va passer dans chaque chef-lieu de région, Côte d'Ivoire, et puis sensibiliser comme ça tout le monde. Et en même temps, les populations, attendez-vous à nous, quoi, on va tuer. Okay. Ça, c'est clair. Un album en cours 2018. Et puis un concert. En 2017. Pour 2017. Au palais de la culture. On a une date ou pas encore? Non, attendez un peu. Demandez au barbu. Le barbu Donna Denis. Oui, c'est en Italie qu'on prononce bien ça. Oui, on y était il n'y a pas longtemps. Ok, merci pour l'entretien. Merci beaucoup pour l'invitation. L'entretien était bien, j'espère qu'on a embauché. Ça fait mal. Vous êtes embauché, vous pouvez rester sur le territoire français si vous le souhaitez. Eh, elle va nous faire caler. Ça va là-bas. Viens, on part, on est bien. Merci, c'était le groupe TNT avec Miss Nikki pour okoidaspo.com. On a Okoi. Amen, Tigonaki, on a Okoi. Tout ce que tu dois retenir du passage de TNT, c'est la musique et les messages qu'on fait passer. Oh, oh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire chanter nos amis, faire crier nos fans et les dire de plier au rouler. Yes, Okoi, on les a fait. Voilà ça.